la lumière du monde. Celui qui suit mes pas ne marchera jamais dans les ténèbres. Je suis celui qui éclaire l'horizon, qui vient dire aux nations, Jésus revient dans sa gloire. Alors j'envoie mes messagers vous rappeler que je suis la lumière du monde et qu'à chaque seconde je mendie votre amour comme affamé. J'ai faim et j'ai soif des âmes, je leur offre mon cœur. Jésus revient dans sa gloire. Écoutez bien mes messagers, vous rappelez que je suis la lumière du monde, que ma tendresse vous inonde, que tous les joyaux de Dieu et les trésors du ciel se déversent sur le monde, pour que la lumière du monde resplendisse dans vos cœurs et que vos mains se tendent pour tisser une ronde. Où la lumière du monde sera en vous à jamais. Dans un monde de paix, lumière du nous a conduit là où nous
pas à nous. J'emploie le présent parce que nous avons une seule chair. Le Seigneur vient de me dire, dessine ma vie, la chair. Alors je vais avoir besoin de mon bras droit pour que mon bras gauche puisse être en harmonie avec mon bras droit. Merci, Nicole. Yeah.
la volonté, la divine volonté, et l'amour, il n'y a pas deux volontés. Il n'y a qu'une seule volonté, la volonté de Dieu. Dès notre création, nous avons goûté à la volonté de Dieu. Notre âme, essaie de se nourrir par l'amour. Adam, la vie, la force de Dieu qui pénètre
dans l'amour pour rencontrer la seule partie, la partie qui appartenait à Adam et qui maintenant appartient à Ève et à Adam. Pour la terre, devait se connaître afin que nous puissions venir sur la terre. Le plan de Dieu est un plan d'amour. Le plan de Dieu est un plan pour tous. Dieu voulut un homme et une femme. Il aurait pu ne pas passer par Adam. Dieu, voilà, Ève, tu es créée. Voilà, Abel, tu es créé. Voilà, Caïn, tu es créé. Je n'ai pas à passer par la chair de Caïn et par la chair d'Ève. Mais Dieu voulait nous montrer quelque chose. Voulait nous dire, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, trois personnes qui ne font qu'un seul Dieu. Alors Dieu dit, vous êtes mes choisis. Je vous ai tous choisis avant même que vous vous regardiez, avant même que vous vous connaissiez. Moi, je vous connaissais. Moi, je vous ai voulu. Et je veux, par amour pour vous, que vous puissiez vous reconnaître être un tout. Un peuple, une nation, le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, vous appartenez à Dieu. Vous devez, parce que vous devez l'un et les autres et l'un, vous devez être pour vous-même amour, afin que tous les autres goûtent à qui vous êtes. Nous devons nous aimer devant Dieu. C'est ce qu'il y a de plus difficile à faire depuis Caïn. Lorsque Caïn vint sur la terre, lorsque sa chair vint sur la terre, lorsque son âme en sa chair fut sur la terre, il y eut une tentation près de Caïn. Qu'est-ce que Satan a atteint en premier? Il a voulu atteindre l'amour que Caïn avait envers lui-même afin de se servir de ses actes de vie. Nous étions tous en Caïn. Il a attaqué son amour pour que sa chair soit attaquée par lui-même. Il fallait donc que Satan atteigne quelque chose de précieux, quelque chose qui devait atteindre tout le monde, l'amour. Alors, Satan tenta Caïn sur qui il était. Tu es un enfant de Dieu? Alors, il a dit, parce que tu es un enfant de Dieu, je vais te montrer que tu n'en es pas digne. Alors, il attaqua la pensée de Caïn. La pensée de Caïn fut attaquée. Et en attaquant la pensée de Caïn, l'esprit de Caïn fut ébranlé. Regarde ton frère. Il est devant Dieu comme toi, tu es devant Dieu. Il donne à Dieu ce que toi, tu donnes à Dieu. Et Dieu regarde Abel comme il te regarde. Que vois-tu? Là, Caïn tourna son regard, il tourna son regard vers son frère pour regarder autre que lui-même.
l'a créé à son image. Mais il lui montra l'extérieur afin qu'il aille vers l'extérieur. Alors, il vit son frère et il se compara à son frère. Bien, lorsqu'il regarda à l'air, il fut troublé. Père, tu regardes son offrande, regardes-tu la mienne? Il ne devait pas douter de cela. Il ne devait pas se poser cette question. Il a fallu qu'il regarde son frère pour se poser cette question. Son regard l'a amené là où il ne devait pas aller, à l'extérieur de lui-même, alors qu'il aurait dû aller en lui. Tu m'aimes. Je suis ton enfant. Ce que je te donne, je le donne avec mon amour. Et tu accueilles ce qui vient de ton amour. Mais ces paroles, Caïn ne les prononçant pas, il avait regardé en dehors de lui. Et il vit quelque chose qui le frappa. Il vit son père. Était dans la joie, était dans la paix, était dans l'amour. Pourquoi mon frère est dans cette paix? Pourquoi mon frère connaît la joie? Pourquoi mon frère est dans l'amour alors que moi, je le regarde? Et cela m'atteint. Satan avait réussi déjà à atteindre son amour envers lui-même. Caïn oublia de s'aimer. Caïn fait en lui quelque chose qui pénétrait tranquillement de la souffrance. Et Satan continua à attaquer la vie de Caïn, afin qu'il ne s'aime pas. Tu es comme ton frère. Je vais te montrer que tu n'es pas comme ton frère. Alors, Caïn observa son frère et il vit que les offrandes d'Abel étaient belles. Lorsque Abel offrait tout à Dieu, Abel était dans la joie. Mais lui, lorsqu'il offrait à Dieu ce qu'il avait fait avec ses œuvres, il ne trouva pas cela agréable à ses yeux. Pas aux yeux de Dieu, pas aux yeux d'Abel, mais face à lui-même. Donc, il se jugeait. Puisqu'il jugeait son acte, qui était une offrande faite avec ses actes de vie, il se jugeait et tournait donc vers lui une souffrance, celle qui était déjà en lui. Il se comparait à son frère et se jugeait avec sa comparaison, le venin que Satan avait réussi à mettre en lui, à troubler son amour. Alors, à ce moment, il entra dans la jalousie. Abel avait été pour Caïn un acte de jalousie. Mais Abel n'avait qu'en lui l'amour, la joie, la paix. D'où venait cette souffrance? Cela venait de lui-même, de Caïn.
de flageolets. Il répondait à cette souffrance. Alors, son regard le faisait souffrir. Il souffrait de regarder Abel. L'amour attaquait les regards de Caïn. L'amour blessé, l'amour qu'il avait en lui baissé. C'est comme si sa mesure, sa pleine mesure, l'amour, sa pleine mesure, connaissait des niveaux. Maintenant, il avait regardé, envié, jalousé, faisait en sorte que son amour diminuait. Son amour envers lui-même diminuait. Sa mesure qui était pleine, car lorsqu'il est venu sur la terre, il est venu avec un amour conditionnel, pas un amour inconditionnel, car Caïn et Abel avaient choisi l'amour dès ses parents, Adam et Ève, au lieu de choisir l'amour inconditionnel de Dieu le Père. Dieu le Père nous avait tous donné un amour inconditionnel. Nous avons perdu cet amour inconditionnel et nous sommes entrés dans un amour conditionnel. Mais notre amour, lorsque nous venons sur la terre, à sa pleine mesure, nous avons un amour, un je t'aime. Dieu, tu m'envoies sur la terre pour que je puisse vivre ma mission, te montrer que je t'aime, retourner à toi dans une perfection, éveiller un amour inconditionnel. Oui, j'accepte. J'accepte d'aller sur la terre. J'accepte de connaître ma mission qui est d'aimer. J'accepte de faire ta volonté, pas ma volonté. Mais lorsque nous venons sur la terre, cet amour qui a une mesure est tout de suite attaqué. À cause de notre chair, nous avons des mouvements. Mais Caïn avait une pleine mesure. Abel avait sa pleine mesure. Il devait aller continuellement vers Dieu. Continuellement, il devait s'aimer. Continuellement, il devait être amour pour lui. Conditionnellement, je choisis Dieu. Conditionnellement, je veux faire ta volonté. Conditionnellement, je veux être dans mon je t'aime. Car Père, je te donne mon je t'aime. Ce je t'aime, je l'ai prononcé et je dois être fidèle envers mon je t'aime. Comment se fait-il que nous ne soyons pas fidèles envers notre amour, envers ce je t'aime, parce que nous vivons notre vie avec toujours nos blessures. Oui, nous avons un amour conditionnel. Il faut toujours choisir entre le bien et le mal. Mais je dois choisir que le bien. Je ne dois pas choisir le mal. Mais que faisons-nous? Nous choisissons le mal. Voilà ce que Caïn nous a amené. Il nous a amené à connaître une diminution de notre amour conditionnel. Et à chaque fois qu'il était atteint par Satan, son amour, il baissait, sa mesure diminuait. Son amour. Je ne suis plus capable de regarder la présence de mon frère sans souffrir.
est injuste. Ses jugements, il les vivait. Ses jugements l'ont amené à connaître une colère et se nourrissait de colère. Cette colère était en lui, non à l'extérieur. Ce n'est pas Abel qui le maintenait dans la colère, dans le jugement, dans la vie, dans la comparaison. C'est nous-mêmes, toujours cette souffrance qui le nourrissait et qui lui faisait vivre dans cette souffrance. Satan, il attaquait continuellement. Et il ne la lâche pas. Écoute les paroles. Écoute les paroles de ton frère. Ces paroles sont contre toi. Il ne te comprend pas. Alors les paroles de Cain furent contre lui. Ce qui diminua son amour envers lui-même. Encore ces mesures. La mesure de Cain diminua encore. Parce qu'il se servait de ses paroles contre lui. Et c'est Satan qui faisait cela. Il se servait de ce qu'il était une souffrance. Continuellement, il se servait de la souffrance de Cain contre Cain. Alors, il mit en Cain le besoin de se débarrasser, de fuir cette souffrance. Éloigne-toi de cette souffrance. Va loin d'Abel. Mais Cain, il ne pouvait s'éloigner, car au plus profond de lui, il avait ce besoin d'être avec la chair. Adam, il l'a désespérant et il n'y avait pas seulement que Cain et Abel. Il y eut d'autres enfants, car la procréation était voulue de Dieu. Que dit Dieu à Adam et Ève? Procréer. Multipliez-vous. Donc, Adam et Ève se sont rencontrés, se sont procréés, et la terre se multipliait d'enfants de Dieu. Car il ne voulait pas se séparer de la chair, car il avait ce besoin en lui. Il avait le besoin de la chair. Mais à l'intérieur de lui, sa mesure d'amour diminuait, et sa souffrance le maintenait maintenant au-dessus de son amour. Il le maintenait au-dessus de son amour. Je ne suis plus capable d'être en présence d'Abel. Il faut que ma souffrance s'arrache de moi. Il faut que ma souffrance soit loin de moi afin que je cesse de ressentir ce que je ressens. Je n'ai plus le contrôle sur moi-même. C'est ce que Cain vivait et c'est ce que Satan voulait qu'il vive. Toujours atteindre son amour envers lui-même. Toujours atteindre son amour envers lui-même. Alors, il lui dit, lève la main sur ton frère. Cette colère se changea en haine. Comme il ne refusait pas, il ne refusait pas à Cain ce qu'il ressentait, il ne ressentait pas l'amour qu'il avait envers lui-même. Il vient à ne plus penser que Dieu avait voulu d'Abel comme il
fémit en lui. Et Satan mit en lui un esprit. Un esprit malin. Un esprit qui divise. Un esprit orgueilleux. Un esprit de contrôle. Il voulait contrôler son amour. Il eut le besoin de contrôler sa vie. Il n'alla pas vers Dieu pour demander: mon Dieu, tu m'as donné Abel comme frère. Je dois l'aimer malgré ma souffrance. Viens m'aider, mon Dieu. Il devait reconnaître que Dieu est plus grand que lui. Il devait reconnaître que Dieu avait tout pour le rendre heureux. Il devait reconnaître que c'est vers Dieu qu'il faut aller lorsqu'on souffre. Il devait reconnaître par la grâce qu'il faisait un tout avec sa famille. Il devait reconnaître qu'il n'y avait qu'un peuple sur la terre, qu'il n'y avait pas de division pour qu'il puisse aimer Dieu. Père, je suis ton enfant. Père, nous sommes tes enfants. Il n'y a pas des enfants autres que tes enfants sur la terre. Il fallait que cela soit. Dieu le Père a permis cela. Dieu a permis que Satan s'approche aussi de Caïn comme il s'est approché d'Abel, toujours dans le but qu'on se maintient dans une unité, non seulement avec l'homme, mais avec notre chair. Abel et Caïn, c'est la chair qui était en question. Les actes de vie, je pense, je regarde, j'écoute, je parle, j'agis et je ressens. Nos actes de vie qui nourrissent continuellement notre chair. Notre chair qui est une nourriture pour toutes les chairs qui, elles, doivent faire des actes de vie, d'amour, devant Dieu. Dieu permet cela pour que Caïn, Abel et nous soyons tous forts devant toutes les attaques. Parce que dorénavant, depuis qu'on avait choisi l'amour conditionnel, on avait en nous quelque chose. Qu'avions-nous en nous? La connaissance du bien et la connaissance du mal. La tâche originelle. On avait une volonté d'amour. Cette volonté d'amour devait servir la connaissance du bien et non pas la connaissance du mal. La connaissance du mal, on devait être amour pour nous-mêmes, pour entrer tout le temps dans cette connaissance. La connaissance du bien, pas la connaissance du mal, malgré qu'elle était tout autour de nous maintenant, à cause de la tâche originelle. Malgré qu'on devait être devant la connaissance du bien et la connaissance du mal, on devait toujours se diriger vers la connaissance du bien. Dieu ne nous a
donner une face, car je crois, je sais, j'ai vu, je vous ai entendu, que vous étiez pour entrer dans la connaissance du mal. Oui, on a choisi, on a choisi de regarder notre chair meurtrie. On a choisi de ressentir notre chair meurtrie. On a choisi d'aller vers notre chair meurtrie. On a choisi la souffrance. Car lorsque nous répondons avec nos actes de vie aux attaques, aux mêmes attaques que Caïn, nous avons choisi de suivre le chemin de Caïn et pas de celui d'Abel. Est-ce que Abel a connu la connaissance du mal? Abel avait en lui la connaissance du mal. Est-ce qu'il a choisi d'y aller? Vous avez raison. Abel, dernière seconde de sa mission sur la terre, il a choisi son Dieu. Par quel moyen il s'est rendu? Parce qu'il ne s'est pas défendu face à son frère. Il n'a pas levé la main sur son frère. Il n'a pas pris les armes contre son frère. Il a aimé Caïn tel qu'il était. Est-ce que Abel a vu dans le regard de Caïn quelque chose qui lui était inconnu? Oui, puisque notre premier parent, Adam, et notre première mère, Ève, lorsque Adam regarda le regard de Ève, il regarda quelque chose qu'il n'avait jamais connu. Elle avait quelque chose d'étrange. Et cela se reflétait sur Ève. Elle avait écouté le tentateur. Le tentateur avait ouvert ses oreilles à ses paroles mensongères, à son hypocrisie. Bien que elle ne connaissait pas Satan, elle avait ouvert son écho au venin de Satan. Elle était donc dans un acte qui ne devait pas être impur. Son acte était dans un moment qui connaissait quelque chose qui n'était pas amour. Cela n'était pas amour d'avoir écouté Satan envers elle-même. Et elle l'a fait. Et Adam vit cela dans le regard de Ève. Et il aimait Ève. Il a été vers Ève. Il aimait celle qui venait de sa chair. Il aimait celle que Dieu avait choisie pour lui. N'oubliez pas que Dieu leur avait dit, procréez, multipliez-vous. Donc, Adam, connaissait-il Ève pour la procréation? Oui,
cela à ta cœur aussi. La parole et elle pensa. Oui, je vais aller trouver Adam. Oui, nous allons, ma mère. Nous n'aurons plus besoin de lui demander. Notre connaissance va venir de nous. Nous aurons à converser avec Dieu. Alors, Adam vit tout cela en elle. Ce qui était étranger, il a dit. Et aujourd'hui, nous savons, par la puissance du Saint-Esprit, que nous avons tous, nous aussi, participé à cela. Car une chair, c'est tous les enfants créés. En Jésus, nous ne pouvions pas être séparés de nos premiers parents sur la terre. Cela était possible. Dieu contient tout. Dieu est présent, passé, présent, futur et en Dieu. Nous, créés, nous étions en Dieu. Adam et Ève, créés, ils étaient en Dieu. Est-ce que Dieu est le créateur de l'univers? Est-ce que Dieu est le créateur de la terre? Oui, et tout est en Dieu. Alors, Adam et Ève étaient en Dieu. Nous étions en Dieu. Là où ils étaient, nous pouvions savoir tout ce qu'ils pensaient, regardaient, écoutaient, disaient, faisaient et ressentaient. On était liés ensemble. Une âme pour chacun et une chair pour tous. Alors, nous avons vu Adam choisir l'amour pour lui. Il aimait Ève. Il ne pouvait ne pas aimer. Il a aimé sa chair. Il a aimé. Car il aimait Dieu. Tu m'as donné. Donner à ta créature. Nous ne faisons qu'une seule chair. Cela, Adam l'écoutait continuellement. Alors, il a regardé elle et il a pénétré si profondément dans l'amour, dans cet amour, qu'il a tourné son regard vers cet amour. Pas sa chair, vers cet amour. Et il choisit. Et nous, qu'avons-nous fait à cet instant? Comme il a eu un sentiment très fort, un amour très fort, plus fort pour Ève que pour Dieu, cela nous a ébranlés. Nous avions un amour inconditionnel. Comment se fait-il qu'un amour inconditionnel puisse s'arrêter sur un amour autre que l'amour de Dieu? L'amour de Dieu connaît tout. L'amour de Dieu voit tout. L'amour de Dieu entre en tout, pénètre tout. L'amour de Dieu va partout. Mais Adam a choisi. Il a choisi. Nous étions forts. Savez-vous, vous les avez le lire dans le volume 5, que lorsque elle était attaquée, nous sommes maintenus avec Adam pour donner de la force à elle pour qu'elle se maintienne avec nous. Oui, on était avec elle. Oui, on la maintenait. Mais lorsque Adam fut fait
Kelly a cette faiblesse. Nous étions un tout. Nous étions l'amour. Nous étions ce que tu voulais pour nous, ton amour. Inconditionnel. Tous nous étions liés ensemble. On faisait un tout. On se nourrissait continuellement. On se nourrissait tout le temps. Lorsque Ève fut faible, lorsqu'elle fut atteinte, oh, il manqua quelque chose. Notre force avait diminué. Notre force avait diminué. On avait besoin de tout le monde pour être fort, puisque nous sommes créés pour faire un tout. Mais elle avait sorti dans ce tout. Mais nous, on ne voulait pas qu'elle sorte. On la maintenait dans ce tout. Et elle a choisi. Elle a choisi de converser avec Dieu. Alors, elle devient donc indépendante du tout. De nous. Elle était indépendante de nous. Elle voulait converser avec Dieu. Et nous qui conversions avec Dieu, elle venait de nous dire, je n'ai plus besoin de vous pour converser avec Dieu. Je converse avec Dieu. Cela, nous en avons eu connaissance. Mon ami, on avait toujours l'amour inconditionnel. Alors, on regardait elle et on aimait elle. Notre amour déversait sur elle de la force pour toujours faire ce tout. Mais lorsque Adam regarda, lorsqu'il regarda ce qui était inconnu de lui, et lorsqu'il décida d'aller vers Ève, lier ensemble cet amour, nous a tellement atteints. On avait perdu deux d'entre nous s'étaient séparés de nous. Deux avaient choisi l'amour conditionnel. C'est une force que nous avions besoin. Nous avons regardé nos premiers parents et nous avons choisi l'amour de nos deux parents au lieu de choisir l'amour inconditionnel de Dieu. C'est ce que nous avons fait et cela nous a atteint. Mais il y eut une d'entre nous. Et une d'entre nous qui garda. Oui, la Vierge Marie. Un amour inconditionnel, parfait. Elle n'a jamais voulu connaître autre que l'amour inconditionnel de Dieu. Elle a choisi d'être pour nous un souverain.
viendra au monde avec la tache originelle. Nous, à cause que nous avons choisi, nous venons au monde avec la tache originelle. Nous sommes les enfants élus au moment de notre venue sur la terre. À l'instant où nous entrons dans notre vie qui est en le ventre de notre maman, choisie par Dieu, nous entrons dans cet amour conditionnel dans lequel il nous faut choisir entre la connaissance du bien et la connaissance du mal. Voilà pourquoi Dieu, qui connaît tout, qui sait tout, avait choisi maman Marie avant toute chose. Il a été choisi pour être la mère du Fils de Dieu, pour nous apporter toute grâce. Dieu n'a pas dit, vous avez me désobéi, vous avez m'offensé, je ne vous donnerai pas le choix de la connaissance du bien et du mal, puisque vous ne viendrez pas sur la terre. Vous ne me prouverez pas que vous m'aimez. Vos actes de vie ne porteront pas de bons fruits. Vos actes de vie seront des actes qui ne vous apporteront pas un bonheur éternel devant votre Dieu. Mais ô Dieu, amour, ne voulez pas cela pour nous, comme il ne voulait pas priver ses anges d'un amour, d'une joie continuellement. Pourquoi les anges ont-ils été mis à l'épreuve? Parce qu'ils n'avaient jamais vu la matière en Dieu. Et Dieu voulait leur donner ce bonheur pour qu'ils soient encore plus parfaits. Adorer la matière, connaître la matière. Rien ne vient des anges, rien. Mais tout ce qui est de Dieu se reflète sur les anges. Donc, la matière parfaite de Dieu, la connaissance de Dieu par la matière créée, devait se refléter sur les anges. Nous, qui sommes créés, la matière est créée, nous venons de la matière parfaite. La matière parfaite reflète qui elle est sur les anges. Et nous, lorsque nous faisons des bons actes de vie, lorsque nous sommes amour, notre amour qui se donne à Dieu se reflète sur les âmes. Pouvait-il priver ses anges qu'il aimait? Ce sont ses enfants invisibles de cet amour, de ce bonheur. Non, il les aime. Et il nous aime. Alors, avant même que nous soyons, Dieu savait tout. Alors, il nous a aimés. Je vous donne ma vie. Je vous donne mes grâces. Je prends votre je t'aime et je vous le redonne. Continuellement, je vous redonnerai votre je t'aime dans tous vos actes. Vous me donnerez votre je t'aime. Je vous redonnerai votre je t'aime. Vous le goûterez. Vous me le donnerez. Vous le regoûterez. Et vous me le redonnerez. Éternellement,
votre récompense. Tu ne nous as pas prévu de cela. Alors, maman Marie était venue sur la terre comme nous. Oui, maman Marie, elle a été envoyée sur la terre comme nous, nous avons été envoyés. La mission de Marie est-elle notre mission? C'est la même mission. La mission de Marie, je suis la servante du Seigneur. Alors, Marie, elle fait la volonté de Dieu. Continuellement. Donc, pensée, regard, action, écoute, sentiment, sont des actes d'aide de vie, elle les donne à Dieu, elle les reçoit. Dieu les reprend et Dieu lui redonne. Et tout est fait avec un amour inconditionnel. Les fruits de Marie, ce sont les grâces. Les grâces pour nous. Comprenons ce que le Saint-Esprit est en train de nous faire comprendre. La Vierge des Vierges, l'Immaculée Conception, notre Maman du Ciel, a fait ses actes de vie avec son amour inconditionnel. Inconditionnellement, ses actes de vie ont nourri nos actes de vie sans interruption. Dès le début, Adam et Ève ont été nourris des actes de vie de maman. Si nous les avons nourris, en Jésus, nous avons nourri les actes que nous faisons aujourd'hui. Sont-ils en Dieu? Ils sont en Dieu. Les actes que nous faisons aujourd'hui sont alimentés de ce que nous sommes. Lorsque nous sommes amour, ces actes sont amour. Lorsque ces êtres sont sans amour, nous sommes une nourriture sans amour. Maman Marie, elle a été une nourriture pour elle-même. Continuellement, Maman Marie, elle s'est donnée de l'amour. Elle s'est nourrie avec ses actes d'amour. Et elle nous a nourris avec ses actes d'amour. Nous venons sur la terre comme Maman Marie. Nous faisons des actes de vie. Lorsqu'elles sont amour, on se nourrit. On se nourrit. On se nourrit. Et on nourrit tous les enfants de Dieu qui sont amour. Merci, Esprit d'homme. Ce que nous comprenons, c'est d'une valeur inestimable pour chacun. Chacun est pour chacun. Moi, je suis pour toi. Toi, tu es pour moi. Et nous deux, nous sommes pour tous les enfants de Dieu. Passé, présent et futur. Alors, croyez-vous que nous avons nourri Maman Marie avec nos bons actes de vie? Mais oui, Maman Marie, elle a nourri et sa vie avec nos bons actes de vie. Alors, ce que nous avons donné à Maman Marie, devant Dieu, pour Dieu, a été pour nous une saveur d'amour. On
contribué à la beauté de la vie. Nous avons contribué à nourrir Marie. Et qu'a fait Maman Marie? Elle a présenté à Dieu cette nourriture que Dieu lui a volée. Elle s'est nourrie, elle nous a nourris continuellement. Cela s'est fait toujours par quelqu'un, par son Fils. L'Église nous dit, et les révélations nous ont dit, les révélations privées nous ont dit que Maman Marie est toute grâce. Que Maman Marie, elle nous a nourris avec les grâces du ciel. Et que ces grâces, nous en avons. Continuellement, nous avons besoin des grâces. Ce que nous devons comprendre, c'est qu'elle est pour nous une nourriture pour notre chair, pour nos êtres. Jésus est une nourriture. Elle aime donner à son Fils ce qu'il est. Elle aime donner tout à son Fils pour que son Fils puisse présenter à son Père ce qu'elle obtient de lui. Elle obtient tout de la Trinité. Elle a un amour conditionnel. Est-ce que Maman Marie sait qu'elle obtient tout de Dieu? Elle a la connaissance du bien. Elle n'a jamais entré dans la connaissance du bien. Donc, elle a communication toujours avec le ciel. Qui a lu Maria Magdalena? Oui. Alors, nous savons par le message que Maman Marie, elle a donné elle-même à la religieuse, qu'elle était toujours sur la terre en communication avec le ciel. Toujours. Et le ciel lui donnait ce qu'elle devait connaître. Elle ne demandait jamais plus que ce que le ciel voulait qu'elle connaisse. Parce qu'il nourrissait en même temps l'humilité de Marie. Maman Marie, elle était nourrie d'humilité. Ah, Dieu prenait soin de son humilité. Et le Saint-Esprit l'a comblée. L'époux comblait Marie, qui devait être la mère de Dieu le Fils. Le Saint-Esprit ne lui a pas révélé tout de suite qu'elle était la choisie, qu'elle était l'élue. Ce n'est seulement que lorsque le moment fut pour Marie, dans l'accomplissement, qu'elle sut qu'elle était pour être la mère du Fils de Dieu. Quelle de grâce pour nous! Nous avons été nourris continuellement de cela. Cela n'a pas été seulement pour Marie. Cela a été pour nous. Lorsque nous sommes dans l'amour, lorsque nous faisons des actes d'amour, cela nous nourrit continuellement et nous en avons besoin pour vivre ce temps de mission que le Seigneur nous révèle. Nous avons tous été choisis. Tous été choisis. En ce moment, le Seigneur nous appelle les choisis bénis. Nous ne sommes pas plus privilégiés que les autres. Mais nous avons une mesure d'amour. Oh, notre mesure d'amour assez échalote. Nous avons à connaître qui nous sommes pour retrouver notre pleine mesure d'amour.
sera ceux du ciel. Oui, rochers de la terre, oui, nous nous reconnaissons être des enfants impurs. Nous nous reconnaissons être des enfants pécheurs, pécheresses. Nous nous reconnaissons avoir besoin des prêtres. Nous nous reconnaissons comme étant des enfants qui avons besoin de force, que nous avons besoin de la prière. Nous avons besoin des grâces de l'Église. Les grâces que Jésus a données à son Église. Les apôtres, les disciples, les saintes femmes, les premiers martyrs. Et vous avez eu ici Lazare. Vous avez eu Marie-Madeleine, Marthe, Marcellette, et vous avez eu des paroles. Cela vous a nourri. Dieu nous a nourri. Il a fallu qu'on se reconnaisse. Petit, petit. Oui, le Dieu a dit, vous avez une tête de moineau. Vous, les Français, comme les Canadiens, comme les Américains, comme les Colombiens, comme les Africains, comme les Chinois, comme les Russes, les Polonais, comme les Allemands, comme les Belges, les Autrichiens, et de nos enfants. Nous avons une tête de moineau. Merci Seigneur, parce que nous nous reconnaissons avoir une tête de moineau. Dieu prend soin de ces petits moineaux. Il les tient dans le creux de sa main pour leur montrer. Laisse-moi filer les ailes, afin que tu puisses voler vers tes frères et tes sœurs. Laisse-moi te montrer comment tu peux être léger. Tu as appris à devenir lourd comme la pierre. Tu as appris avec l'esprit de ce monde à ne pas reconnaître ton nid d'amour. Ton nid d'amour, c'est l'Église. Ton nid d'amour est le lieu où tu dois apprendre à aimer. Tu es chez toi. Tu appartiens à l'Église. L'Église, ce sont tous les enfants de Dieu, tous les enfants créés. Reconnaissons-nous être créés. Reconnaissons-nous être souffrants. Nous avons une souffrance depuis Caïn, notre chair souffre. Nous avons besoin de reconnaître cela pour nous protéger de nous-mêmes. Nous sommes les pires ennemis. Pourquoi? Parce que nous mettons notre puissance de vie entre les mains de cet homme. Il faut reconnaître cela. Et nous pouvons reconnaître cela que lorsque nous sommes dans notre nid d'amour, lorsque nous sommes ensemble, lorsque nous nous regardons, lorsque nous nous entendons, lorsque nous nous disons « Oui, je t'aime ». Oui, je t'accepte tel que tu es. Je ne regarde pas ta religion. Je ne regarde pas tes actes de vie. Je t'aime tel que tu es. Je ne regarde pas si tu m'aimes. Moi, je t'aime. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de reconnaître que je suis amour pour moi-même. Aide-moi. Je vais regarder dans ton regard ce qui manque à mon regard. Je vais écouter tes sons rudes, amers contre moi, que je puisse me reconnaître, car je t'ai nourri avec mes paroles. Je vais reconnaître que tout ce que
que moi aimé. Voilà ce que Dieu veut qu'on apprenne. Nous sommes une église. Jésus lui-même l'a appelé ici. Je suis l'église. Je suis la pierre rejetée. Vous m'avez rejetée parce que vous vous êtes rejetée. Vous êtes les pierres qui doivent bâtir mon église. Venez à moi. Venez. Ce que j'ai à vous donner, c'est ma saveur. Ce que j'ai pour vous, c'est ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait est devant nous. Nous avons fait souffrir notre Dieu. Nous l'avons pendu à la croix. Et Jésus nous dit, je vous aime. Mon acte de vie a englobé tous vos actes de vie. Je vous ai purifié. Il faut reconnaître cela. Nous avons besoin de reconnaître qui nous sommes. Merci, Seigneur, pour ces moments. Merci, Seigneur, pour nous faire entendre notre cœur. Choisi, béni, ont ouvert leur cœur afin qu'on puisse entendre le cœur de ma sœur, le cœur de mon frère, de mon autre frère, de mes sœurs. Ce que nous entendons aujourd'hui, c'est ce qui s'est inscrit dans notre cœur au moment où nous avons crucifié avec nos actes de vie notre Dieu. Dieu a tout purifié et Dieu a inscrit cela en nous. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nous sommes par Dieu, le chemin, la vérité et la vie. Tout cela est en nous. Cela n'est pas à l'extérieur de nous. Dieu veut qu'on se serve de notre regard. Nous en avons besoin pour nous regarder. Notre regard, c'est un acte d'amour. Et il nous a été donné par Dieu, notre Créateur. Nous sommes un regard. Nous sommes le regard de Dieu qui se pose sur les hommes et sur les autres. Voilà ce que Dieu voulait qu'on sache. Continuer ensemble ce qui est commencé. Nous devons vivre la purification de la chair accomplie. Et ce n'est seulement qu'en comprenant ce que nous avons fait avec nos actes de vie que nous allons profiter des grâces de la purification. Alors, il dit Amen, mes amis. Alors, nous allons prendre un temps pour se lever. Alors, c'est à vous de savoir quel chant vous voulez.
de décider. Le Père Noir nous propose de sortir à l'extérieur sur la côté. Notre chair et leur âme. Francine, est-ce que tu pourras reprendre la question, s'il te plaît, au micro? Dans les familles, il y a des enfants qui nous font souffrir, nos propres enfants, et on ne sait pas comment réagir. Est-ce que cela est la question? Ok. Merci. Nous sommes tous de la famille de Dieu. Ce que nous avons reçu, nous l'avons reçu de Dieu. Les enfants que nous portons, nous, les mamans, en notre sein. Les enfants que Dieu nous donne par la puissance de Dieu. Ils ont un père, ils ont une mère. Chaque parent est digne de l'enfant. Et ce qui fait que l'enfant souffre, c'est que notre chair est devenue indigne de ce que Dieu nous donne. Nous avons fait souffrir la chair. Nous avons fait souffrir les enfants de Dieu. Combien d'entre nous connaissons des viols, de la brutalité? Combien d'entre nous connaissons que des enfants ne viennent pas au monde parce qu'il y a avortement? Combien de nous, nous mettons des enfants au monde et nous donnons la responsabilité d'élever nos enfants à une autre personne qui, elle, n'aime pas nos enfants. Ce qu'elle veut, c'est gagner sa vie. Dieu nous dit ces paroles, non pour qu'on se juge, mais pour qu'on puisse de la souffrance de nos enfants. Les enfants aujourd'hui, les enfants d'hier, il y a peu de temps, sont entrés dans des sons et des images. Ces sons et ces images ont empoisonné l'esprit de ce monde. Et l'esprit de ce monde nourrit nos enfants. Nous sommes incapables de dire à nos enfants, vis, vis ton amour pour Dieu. Vis ton amour pour toi-même. Vis ton amour pour ton prochain. Cela va t'aider à respecter qui tu es. Mais à cause de ce que nous sommes devenus, nous prions, nous les donnons à Dieu, nous qui sommes priants, et nous manquons de foi envers la puissance de Dieu. Dieu nous a donné nos frères et nos sœurs pour que nous puissions être un tout. Nous devons vivre d'amour, nous devons soutenir
les enfants de nos frères, de nos sœurs, pas seulement que nos enfants. Aujourd'hui, on s'étonne de voir des enfants qui font des crises de colère, des crises de personnalité. Nos enfants vivent des possessions que nous ne savons pas en faire. Nous devons aller vers les prêtres. Les prêtres sont un soutien pour nous-mêmes, pour nos enfants. Les prêtres, c'est une source d'amour pour la famille. Ils ont choisi l'Église et nous ont choisi. Au lieu de choisir l'épouse et former leur propre famille, regardons notre rôle. Il a eu autour de lui une famille innombrable. Des garçons, des filles. Aujourd'hui, c'est encore sa famille. Il ne les a pas délaissés. Vous êtes devenus orphelins. Non. Combien ont donné leur vie pour nous, comme nous, parents, nous donnons notre vie pour nos enfants, comme nos frères qui ne se sont pas mariés, c'est la paix. Ils nous comprennent et ils savent que c'est difficile, comme c'était difficile autrefois d'élever les enfants. Aujourd'hui, c'est l'âme qui est atteinte profondément. L'âme a besoin de l'Église, des sacrements. L'âme a besoin d'amour. C'est une force. Nous devons nous reconnaître tels que nous sommes. Si nous ne reconnaissons pas que nous sommes pécheurs, si nous ne reconnaissons pas que nous avons besoin de vivre les sacrements institués par Jésus, le baptême doit être vécu. Le sacrement de la pénitence doit être vécu et aimé. Aimer, c'est reconnaître que nous devons donner pour recevoir. C'est nous disons, Jésus, je viens de tuer ma femme. Jésus, je viens de voler le gouvernement lors de mes impôts. Jésus, je viens de tricher ma blonde. Jésus, je viens de consommer, alors que je n'en avais pas besoin et que mon prochain qui n'a rien à se mettre sur le dos, lui, je l'ai ignoré volontairement pour m'offrir plus. Oui, ces paroles sont dites à Jésus. Où sont-ils dites? Sont-ils dans notre chambre, dans notre auto, dans sur les autoroutes? Hein? Ils sont dits partout, dans notre salle de bain. Merci Seigneur d'être là. Mais où on devrait se retrouver? Au pied de la croix. Le sacrement de l'Église nous charge de nous amener au pied de la croix. Et ce n'est pas nous qui devons aller au pied de la croix, c'est le sacrement qui nous amène au pied de la croix. Pourquoi? Parce que le sacrement vient de Dieu. C'est un sacrement divin. Il va nous donner des grâces. Il va nous guérir. Il va nous libérer. Il va nous montrer ce qu'est aimé sans juger. Il va nous apprendre à être qui nous sommes, à être des enfants de Dieu, avec qui nous sommes, avec nos frères et nos sœurs.
Ce que nos enfants vivent, c'est de la souffrance. Pourquoi les séparations? Pourquoi les infidélités? Pourquoi les meurtres, les viols? Avons-nous pas été infidèles envers les sacrements de Dieu? Nous-mêmes, nous sommes séparés de Dieu. Nous-mêmes, nous violons les sacrements. Nous-mêmes, nous avançons vers notre Dieu. Nous amenons notre âme, qui est la fiancée de Dieu, pour qu'elle puisse être dans son banquet d'amour. Avec Jésus, son époux adorable, que faisons-nous? Nous trichons. Alors, nous amenons notre âme, qui, elle, est cachée, qui, elle, se sent indigne d'être présentée à Dieu. Et que faisons-nous? Nous l'obligeons. Présente-toi tel que tu es. Tu es indigne devant Dieu et décline-toi. C'est ce que nous faisons en notre âme. Oui, nous le faisons sans le réaliser. Mais qui souffre? Notre âme et nos enfants. Ils ont comme modèle qui nous sommes et nous avons eu comme modèle ce que nos parents étaient. Nos parents ont eu comme modèle leurs parents ont eu comme modèle leurs parents jusqu'à Caïn. Nous devons aimer. Si nous commençons à nous aimer, si nous commençons à regarder Jésus avec notre regard rempli de joie, de paix et d'amour, nos enfants vont nous regarder et nos enfants vont se dire, « Oh, j'ai à apprendre de maman qui est patiente envers moi-même parce qu'elle est amour envers elle. » Ils vont le ressentir. Nous avons un monde à construire. Le monde que Jésus nous a donné, le monde sauvé par Jésus. Alors nous devons entrer dans le sacrement comme une grâce pour que les enfants de Dieu soient amour. Notre prière, on prie pour nos enfants, mais notre prière doit être aidée. Ne doit pas nous servir. Elle doit servir Dieu. C'est lui qui nous donne ce dont nous avons besoin pour que les grâces nous surabondent. Nous devons faire confiance en Dieu, pas en la souffrance. Nous devons faire confiance en Dieu pour que nous puissions avoir confiance en ce que nous faisons. Nous prions, c'est pour recevoir. Ce n'est pas en disant, je signe un contrat avec toi. Tu me donnes ceci parce que c'est ceci ma prière. Voilà, signe en bas, moi je signe. Ceci est un contrat fait avec notre Dieu que nous avons inventé. Nous faisons de notre Dieu un Dieu, celui que nous voulons. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, il est à nous. C'est ce qu'il m'a fait comprendre en 2001, après avoir vu ses visions. Après avoir été en présence de Marie avec des odeurs de rose, après avoir vu à l'intérieur de moi tant et tant de choses que je ne comprenais pas, tranquillement, le ciel m'a amené sur le chemin. Et il me disait, marche sur ce chemin. Je n'avais pas compris qu'il fallait que je marche sur ce chemin. Il m'a parlé d'amour. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, t'es l'amour. Mais pour le comprendre, il fallait que j'entre
souffrance, il m'a fait ressentir mon incertitude, il m'a fait ressentir mon manque de fermeté face à ma main. Je dois être forte devant Dieu. Il a dit par maman Marie, il m'a dit, tu es comme un roseau. On souffre à droite et tu te penches à droite. On souffre à gauche et tu penches à gauche. Tu ne te tiens pas debout comme moi je me suis tenue debout au pied de la croix. Continuellement, le ciel me montrait à demeurer à ma place. Cela n'a pas été facile. Moi aussi, j'ai regardé mes enfants. Moi aussi, j'ai vu le divorce, la séparation. Non pour l'avoir vécu, mais j'ai regardé ça autour de moi. Et dans ces années, le Seigneur me faisait comprendre. Je me suis trouvée ici, à Paris, à la rue du Bain. Il y a une demande, là, demandez. C'est écrit en gros, hein? Je dis, Seigneur, moi, tu demandes. Et oui, il a demandé. Il m'a fait ressentir tous ceux qui étaient séparés et qui ne pouvaient pas communier. Et là, je ne pouvais pas communier. Je me sentais sale. Je me sentais indigne. J'ai tellement souffert et souffert et souffert. Et le Seigneur me faisait vivre ce que les autres vivaient. Et qu'il ne faut pas juger. Ils ont besoin de nous. Ils ont besoin qu'on leur prenne la main et qu'on leur dise, n'aie pas peur, Dieu t'aime. Parce que moi, je t'accepte tel que tu es. Ensemble, nous allons aimer. Et Dieu ne les a pas écrasés. C'est cela qu'il faut dire à notre enfant. Espère. Sois dans la foi. Vite, aime-toi. Vivre, c'est s'aimer. Voilà ce que j'ai appris avec les années. Et il m'a envoyé en 2003 un peu partout. Mais là où il m'a envoyé, c'est là où je devrais aller. Et j'ai été et j'ai appris. J'ai rencontré des gens. Vous savez, on entend, j'entends. On entend nos frères et nos sœurs pleurer. On entend nos frères et nos sœurs qui buent, qui buent, qui buent de l'amour. Et j'ai répété ce que Dieu mettait en mon cœur. Pour eux, c'est l'amour. Toujours. Et pas une seule fois, le Seigneur s'est répété. Pas une seule fois que le Seigneur a parlé en disant la même chose pour un autre. Nous sommes un tout pour tous. Et nous savons ce que nous devons vivre. Nous devons nous maintenir ensemble. Il faut avoir la foi. Il ne faut pas s'inquiéter pour nos enfants. C'est la pire erreur que nous pouvons faire. Je n'ai pas confiance en toi, Dieu. Je n'ai pas confiance en moi et je n'ai pas confiance en mes enfants. Je montre à mon Dieu, je me montre et je montre à mes enfants qu'ils sont incapables de vivre d'amour. Mais nous sommes capables de vivre d'amour. Nous avons reçu de Jésus une prière. Est-ce que Jésus a dit, je vais vous montrer à prier? Est-ce que c'est Jésus qui a commencé à dire ces paroles? Et là, les apôtres eux-mêmes ont vu Jésus qui priait. Ils voyaient Jésus prier, qui se retirait et qui priait son Père. Alors, les apôtres ont dit, montre-nous à prier. Et c'est Jésus qui leur a parlé d'une autre Père. Il leur a montré comment prier. C'est
devons faire, commençons par nous. Il faut commencer à avoir confiance en ce qui nous sommes. S'aimer, faire des sourires, demander des mots simples dans notre langage, des gestes simples au quotidien. Pas dire encore la recette. Avec ça, on montre à nos enfants qu'il faut qu'ils fassent la vaisselle. Ils vont la faire jusqu'à temps qu'ils se retrouvent ou dans les centres de personnes âgées où on va faire la vaisselle pour eux puis qu'on va leur montrer qu'ils n'ont jamais été capables de faire la vaisselle avec amour. Puisque tu n'as pas été capable de faire la vaisselle avec amour, moi je vais te montrer. On ne prendra jamais ici. Alors, si on ne veut pas se retrouver dans les centres de personnes âgées, soyons amour envers nous-mêmes. Nous allons découvrir nos forces. Nous allons donner à nos enfants de l'amour, une force d'amour, et ils vont prendre soin de leurs parents, car ils voudront vivre eux aussi éternellement. Chaque parole dite par Jésus est une saveur. Nous sommes la saveur pour nos frères et nos sœurs. Nous n'avons pas à craindre. Et si nous entendons parler qu'on ne respecte pas les paroles dites dans l'Évangile, allez vos parents, guérissez, libérez ce que le ciel délira, tu le déliras, car tu auras pardonné. Tu pardonneras autant de fois que tu auras besoin d'être pardonné. Tu marcheras avec ton frère, tes sœurs. Tu n'iras pas seulement vers ceux qui te font du bien. Tu marcheras avec ceux qui te giflent, qui volent, rendent ton manteau. Tu atteindras le sommet de ton amour. N'évite pas le chemin. Et toi, choisis ceux qui sont petits, car ils sont faits de ma force. Les sommets larges sont des chemins qui t'amèneront quand vers l'oisiveté. Ils te feront oublier que j'ai marché avec toi, que je marche avec toi et que je marcherai avec toi. Ne crains pas ce monde, mais crains ton Dieu. Je t'aime, aime-moi, ne l'oublie pas. Ouvre-moi ton cœur, je vais déverser en toi mes grâces. Je prendrai ce qui est lourd pour toi, et je lécherai tes fardeaux. Viens à moi, et tu vivras mes béatitudes. N'attends pas à demain. Demain sera trop tard. Vis aujourd'hui. Tu as besoin de Tu as besoin de comprendre que je t'aime. Aime-moi. Fais ma volonté. Ma volonté est amour. Ma volonté est celle que je te donne. Prends et mange. Prends et bois. Tout est accompli. Voilà ce que le ciel veut que nous vivions. Amen. Alléluia.